Afrique du Sud a toujours joué un rôle dans les mouvements de libération, a toujours défendu les droits des peuples à s'autodéterminer. On a déjà présenté un dossier devant la Cour internationale de justice contre les génocides qui se passent en Palestine et la condamnation de ce qui se passe. Actuellement, il y a un congrès international pour l'arrêt de ces génocides et mettre un cessez-le-feu pour permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à mettre en place son État indépendant. Et elle a toujours joué un rôle aussi pour tous les peuples, à leur droit à l'autodétermination, comme le cas du peuple sahraoui, qu'elle a reconnu juste après son indépendance, la République arabe sahraoui. Sans oublier bien sûr le rôle de l'Algérie, qui a toujours joué un rôle aussi primordial dans la défense des droits des peuples à l'autodétermination, et qui joue actuellement aussi un rôle au sein des Nations Unies, surtout au sein du Conseil de sécurité et au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies.